alors que nous accueillons Laurine Lecavalier, vice-championne de France, sur cette même glace de Vaujany en Isère. Laurine qui termine vice-championne de France, un petit peu en difficulté là sur ce début de saison, mais je suis sûr qu'elle va se reprendre. Moi aussi, je suis sûr qu'elle va se reprendre. C'est une exceptionnelle patineuse. Elle a été championne de France dans le top 5 européen, dans le top 15 mondial. Il faut compter sur elle. Ouais, elle a une très belle technique, une belle gestuelle. Maintenant, il faut qu'en compétition, ça passe sans faute. La moindre erreur ne pardonne plus. Qui permet justement de placer tous les éléments qu'ils peuvent avoir dans leur programme de compétition en étant un peu plus attractif, puisque la musique chantée aujourd'hui est autorisée. Puis là, lors d'un gala, on a des musiques un peu du moment. Belle pirouette cambrée, pied dans la main. Et un grand bravo à cette patineuse qui, je suis sûre, va refaire parler d'elle très positivement sur les prochaines compétitions à venir. Elle a beaucoup de charme, une très belle technique, des pirouettes maintenant très sûres, une fluidité et une facilité sur la glace qui peuvent l'amener à être dans les meilleures européennes. Et les meilleures.